Moi, je suis Edoué Dimitri Agbojan. Je suis le coordonnateur du CLIR, le Centre de renforcement des capacités en suivi et évaluation pour l'Afrique francophone. Nous sommes au CLIR engagés dans un partenariat avec Helvetas et le FILA pour renforcer la prise en charge des normes PSEC, des normes socio-environnementaux et changement climatique dans les projets financés par le FIDA en partenariat avec les gouvernements et les ministères en Afrique francophone. Cette formation premier du genre que nous sommes en train d'organiser vise à constituer une communauté de pratiques de formateurs qui pourraient aider à renforcer les capacités des unités de gestion dans l'intégration de ces normes-là dans la gestion de projet. Alors, les normes PSEC, dans leur format actuel, ont été adoptées depuis 2021. Et c'est des normes qui permettent de prendre en compte les standards liés aux questions de la gestion de la diversité biologique, la question du changement climatique, la question de la gestion des investissements directs étrangers, des relations avec les institutions financières, en fait, toutes les problématiques qui tournent autour de la gestion du projet pour que ces projets soient davantage au service des enjeux sociétaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, après cette première formation, on aura un groupe d'une trentaine d'experts qui seront certifiés et qui pourraient ensuite démultiplier ces formations pour les unités de gestion de projet. L'autre élément très, très important, c'est que cette formation est une étape vers la constitution d'une communauté de pratique au sein de laquelle ces experts pourraient continuer à échanger entre eux, à échanger des meilleures pratiques et à s'appuyer mutuellement pour que ces normes soient utilisées effectivement dans les projets du FIDA un peu partout dans le monde.